que là je vais arrêter après. Je vais rester tout seul là. Si on reste tout seul. Okay. Je vais rater mon train à force de forêt cette clé de merde. Peut-être qu'on pourra s'organiser une race demain, parce que le week-end j'aurai un peu de temps. Des bisous, bon courage et merci pour la race, c'était cool. Allez, je suis sur le channel Metroid Zero Mission s'il y a des gens qui sont motivés. On va voir Tifa et Gonzo, je pense. On va peut-être se mettre sur SRL si vous voulez streamer. Allez, SRL, on y va. Cette fois-ci, je vais essayer de pas mourir. Les précédents trucs que j'ai fait sur Metroid, j'ai plutôt eu du mal. Ok, c'est cool, on a des gens, j'aime bien faire des petites races d'entraînement, c'est très très bien. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, Twino. Il y a plus Volvi. Volvi, je sais pas si tu t'es inscrit, mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller sur bit.ly/inscriptionud2. Et bon, comme ça, tu seras dans les trucs. Salut Gonzo, comment ça va? Ça va et toi? Comment s'est passé ça, ton training? Moi ça va bien, merci. Très mal, comme d'hab. Ok. Mais bon. Alors je te demande juste 2 secondes, histoire que je lance tout le merde. Pas de problème, on va avoir Tifa avec nous, voilà. Salut Tifa. Alors je mets tout vite en place. La race s'est créée. Voilà, parfait. Du coup, je vais changer mon titre. Désolé, j'arrive. Ça te dérange pas qu'on t'appelle Tifa, du coup, Tifa? Ah non, David Tifa, Tif, super. Devil, comme vous voulez. Ça... DT. Tant que je comprends que c'est à moi qu'on parle, y a pas de soucis. Alors je demande donc que, ça... si ça te faisait chier, autant qu'on te le dise maintenant. Ah non, y a absolument aucun souci. C'est formidable. J'ai même l'habitude qu'on m'appelle Tifa. Tu as... C'est quoi ton PB du coup sur Metroid? T'as battu ton 36 ou pas? J'ai pas battu mon 36-50 je crois. Qu'on avait fait en race la dernière fois. C'est ça, j'ai pas retouché depuis. C'était la tristesse. Non, j'étais pas mort. Sur la race qu'on a fait la dernière fois, je suis pas mort. Par contre, j'aimerais bien le bon split. Pourquoi j'ai pas mon split à 36-50? Ah, bah non, oui, c'est un temps RTA. Je confonds avec Link Game Time. Effectivement, Pitineco, Tifa est un homme. Et tu es largement premier pour l'instant sur le plaque. On va faire un point classement du coup en attendant que vous soyez prêts, messieurs. Parce que j'ai 5 jeux aussi, surtout. Ouais, mais même si on considère qu'on enlève les 500 points de 5 jeux, t'as quand même réussi à accumuler 373 points de speedrun. Oui. Donc t'es à 180 sur Dead Core, 197 sur DuckTales, 148 sur Spelunky, 186 sur Super Monkey Ball et 161 sur Zero Mission. Donc t'es premier nulle part, individuellement, t'es plutôt 3ème ou 4ème, là où t'es le mieux. Mais sur les points cumulés. Mais t'es Zero Mission, t'es très bien, t'es juste derrière Bro, mais Bro a une longue avance. Mais c'est vrai que du coup ton temps cumulé est à 1h53 et donc peu de gens sont descendus sous les 2h. Je crois que t'es le seul. Ouais. Donc, ouais, Browser Main, ça va être dur de le rattraper. J'ai regardé sa run. Il optimise vraiment pas mal ses mouvements. Hein. Mais là où on est bien, c'est que du coup, de toute façon, en real time, t'es à combien à peu près en real time, tu sais, tes splits? 50-22. 50-22, donc ça fait. Je sais plus combien, mais c'est genre. Ça va augmenter tes points, ça va un peu niveler la différence avec Browser Main. Un petit peu. Donc tu vas peut-être passer. Je crois que Bro il va passer à 190 points et tu vas sans doute passer à 175 points, tout comme ça. Ah oui, c'est pas mal. Donc c'est plutôt. Après, faut juste stabiliser. Voilà, c'est ça. J'ai fait ça une fois, il faut stabiliser. De régularité.
Je vais effacer celle-là. Hop. Je me mets dessus, start, voilà, je reste sur normal. Donc moi je suis ready. Le... Mon live il est bon, le chat, j'ai bien lancé le stream, c'est ok. Alors que Gonzo ouvre du chocolat. Non, je me roule juste une clope. Ah. Vas-y. Ah bah merde, j'ai commencé, ça y est. Excusez-moi. Bon, j'ai pas vérifié si j'étais online, selon OBS je le suis, donc... Ah si, ouais, t'es online. Très bien. Un bruit de chips. On est bon. Ma somme of best est à 49,35. 44,39. 44 ? Alors, je sais pas où. T'es pas... J'ai vraiment fait une très bonne run la dernière fois. T'es pas si loin de bro, du coup. Je sais pas du tout. Je sais pas, vous êtes prêts ? Nous sommes prêts. Dès que tu es ready, je suis prêt. Dira pour nous aussi. Ok. Bon, allez, c'est parti. Allez. Bonne chance, évidemment. Ouais, bonne chance. Merci, vous aussi. Que l'acide Worms Keep soit avec vous. Ouais, c'est surtout ça. Et pas que ça. Allez, c'est parti. Hop. Et j'ai re-regardé pas mal de runs de Super Metroid, du coup. À cause de... Enfin, du fait que j'ai joué à ce jeu-là, j'avais complètement oublié comment était le jeu. Alors que c'est un jeu que je connais plutôt bien, Super Metroid, mais j'avais totalement oublié de plein de trucs, quoi. Morph Ball, j'ai gagné. Ah si, avec ça. Morph Ball pour ça. Putain, je fais n'importe quoi. Ça commence très mal. Ouais, statue. Statue. J'ai l'écran noir de maintenant. Parce que... Par contre, je me suis pas entraîné sur Wall Jump aujourd'hui. Ah. Autant la dernière fois, j'avais fait une heure d'entraînement et là. On va te trouver un job où tu vas bosser 12 heures par jour, tu vas voir. On a la déjà, ça course bien. Je fais pas les wall jumps au bon endroit. Ah oui, ça peut arriver. Voilà, là, je me suis raté. Hop, ah, oui. On passe normalement. Fais chier. C'est difficile à bien faire, je trouve, ce passage. Qu'est-ce que je fais ? Pour faire un grand saut, un petit, puis un grand. Ouais, si tu fais 3 grands sauts, ça passe pas en tout cas. Alors, le contrôleur, Gonzo, est-il mieux ? Oui. Par contre, le runner, il est pas mieux. Le runner a pas changé ? T'as pas réussi à acheter des nouvelles mains ? Triste. Non, va falloir envisager ça. Les armes bioniques, directement branchées en USB. Allez, le runner. La bébête aussi. Oh, un missile. J'ai rien droppé. J'ai rien. Ah, parfait. Bah, j'ai tout droppé sur le chemin. J'ai utilisé les 4 missiles sur le premier. Ah merde. Ah oui, là t'es vraiment dans la merde. J'ai juste un missile en moins. Ouais, je trouve que ça peut faire une assez grosse différence, bizarrement. Ne serait-ce que psychologique. 31 points de vie. Mais s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, 7 points de vie. Ah non, le décès. Non, je veux pas. Je refuse. Sinon, reset la race. La race. Ah non. Tu touches juste bon, pas 7 points de vie, j'ai survécu. Merde. Bon bah là, je suis dans la merde. C'est bon, Link. Moi, j'ai gâché mes missiles comme un sac.
Ah. Relou les mouches, mais c'est une des salles les plus dures du jeu. Hein. Vraiment. J'ai dit ouais, celle-là, la WS, c'est les deux plus... Ah, le wall jump, s'il te plaît. Ah merde, bon, je suis mort. Ah mince. Mort aux mouches. Ah. Ça fait un gros... ça fait 4 minutes à rattraper. Et ouais. En gros, je l'ai déjà dans le fion. Ah, sauf si on meurt, hein. Ouais, mais vous allez pas mourir. Ma probabilité de mort à l'escape ah, ça, ça va à la, dans, en soutless, c'est genre une fois sur deux, je meurs. Après, ça va, les mouches, c'est au début du jeu. Ouais. Parce que mourir sur Ridley et pas avoir sauvegardé depuis, ça peut arriver. Ouais, enfin maintenant je sauvegarde toujours avant Ridley. Donc... Ah, je déteste ce premier saut. Au-dessus de la lave, en revenant des bombes, il y a un saut que je trouve horrible juste après la porte. Les splits, merci. Oublier de split aux bombes. Non, bah, ton, du coup, ton run est plus legit. J'ai gagné. C'est raté. Je recommence. Putain. Allez, le charge-beam. 5.30 au charge beam, c'est pas mal, c'est pas ouf, mais... Du coup, messieurs, vous streamez? Oui. Oui. Donc vous pouvez trouver les gens, si vous êtes intéressés, voir David Tifa et Gonzo The Real. Comme ça s'écrit, comme ça s'entend... Ça s'écrit comme ça s'écrit. Deville Tifa. Oh merde. Ah mais très bien. J'ai détruit les deux blocs avec des missiles plutôt qu'en tirant normalement. En mode fuck ces blocs en particulier. C'est bon. J'ai de la marge. Après, on les merdes, ce putain de pas vrai. Oui, faut qu'on récupère 5 missiles derrière. T'as pas réussi à tuer le vert, Gonzo? Non, c'est la salle des mouches, là. C'est l'enfer quand les missiles tapent pas dans, les voilà. Dans la ruche, bon, mais dans les saletés de mouches, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il faut essayer d'attirer avant. Mais les premières, elles sont horribles pour ça, et ensuite, enfin... Bah le problème c'est que la deuxième, ouais je sais pas, j'arrive jamais à les attirer. Oh putain je vais crever encore une fois, oh mais c'est pas... Allez, power grip il est pris. Pareil. On est au coude à coude. La le wall jump. Pourquoi le power grip il est nécessaire dans le 1%? J'arrive pas à me rappeler d'endroit en particulier. Ah putain Kelou. Oh non! J'ai sauté trop tôt sur la plateforme, du coup laptop, et je suis passé en dessous. T'es remords, mon dieu? Bah ouais. Ah merde. À la sortie ah. de la salle, quoi. D'habitude, je me fais jamais toucher quand j'arrive à sortir, et là, bah non. Et on revient dans l'enfer.
Heureusement qu'il n'y a pas trop d'aller-retour dans ce Metroid parce que ça me pète les couilles en général de revenir dans la zone que j'ai déjà vue. En speedrun, j'ai vraiment une impression de perte de temps. Assez relou. Ouais. Avec DuckTales par exemple. Passer trois fois dans le même niveau. Ouais, mais l'avantage c'est que DuckTales c'est un run de 7 minutes, beaucoup ça. Oui. Mais ça, ouais, c'est assez pénible. Psychologiquement. Faut que j'apprenne à splitter, moi. Ça peut être utile. Quand c'est rose, c'est quoi? C'est que j'ai fait un meilleur temps et que j'ai toujours dans le rouge. Oui, rose, c'est t'as gagné du temps, mais t'es toujours derrière ton PB. D'accord, bah j'ai gagné du 8 ans plus tard. Donc j'ai dû splitter plus tard sur mon PB aussi. C'est pour ça que tes gold splits sont si bons, tu sais pas splitter. Ouais. Ça doit être ça. Tu fais n'importe quoi, évidemment. Allez, on n'oublie pas de se recharger au Ice Beam. Oui. Je sais que je vais oublier, de toute façon, à un moment important dans ma vie. Ah, allez. Genre, la raison dans 2 mois. Genre, le jour de mon mariage, un truc comme ça. Ah oui. Ah putain, saute. J'ai fait balancer un missile sur la porte. Connard. Je déteste cet endroit. Non. Ah, il me restait un wall jump à faire. Ah, j'ai oublié de friser ce mec, tant pis. Voilà, j'arrive plus à wall jump. Je me suis pas entraîné. La faiblesse de Diviltifa, ça va être de devoir faire tous les jeux le même jour à la suite sans pouvoir s'entraîner. Exactement. C'est grâce à ça qu'on va gagner. Ah. Raté. Tant pis. En tout cas, les wall jumps, c'est assez crucial. Surtout dans les ruines. Dans Soutless, ouais. La tortue qui va du mauvais sens. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je me trompe de bouton pour les missiles, quoi. Allez, remonte. Ah, je perds tellement de temps où la chimie. Bordel. Au moins 3 essais pour remonter après les bombes. Bizarre. Okay. Tellement confiance que j'ouvre les portes avec les missiles. On est bon. Et j'ai pas speedé à l'ice beam encore. Mais alors que je suis à la cheville. C'est pas possible ça. Nice. Goal split. Ah, j'ai tué la chenille pile à 12, hein, c'est rigolo. Ah, tant que je pense à split à la fin du jeu. Ah, j'ai les skills, t'as fait combien? Est-ce que tu m'as battu? C'est la vraie question. Putain. Hop. Oh, gold sur la chenille. Bah oui. Bah oui, du coup, vu que je suis super en retard. Ah, ça fausse tout. Eh oui, c'est bon. C'est pour, ça. J'enregistre pas celui-là. Sauf si je pipi. Mais bon. C'est mal parti. Oh putain, je vais mourir. Je vais devoir prendre la salle horrible super doucement. Ah! Je me suis mis trop. Eh ben, je me suis mis trop loin. Mais allez! Je perds pas mal de temps encore une fois ici.
les super missiles. Bah, je suis un peu en retard. J'ai pris la salle entre les super missiles, la salle horrible où si tu tombes, tu perds toute ta vie. Je l'ai pris tellement doucement. Oula, oula, 23 points de vie. J'ai oublié qu'il y avait une salle entre là où il faut pas tomber le super missile, du coup j'ai foncé tout droit. Oh, pas oublier ça. Bah, du coup, au retour, je vais te péter. Tant pis si je perds du temps, moi je meurs pas. Il aurait save strat. Je vais te splitter. Ça se passe mieux du coup, Gonzo? Ah bah j'ai enfin passé la salle des mouches, ouais, c'est pas mal. Là je vais aller visiter Norfair, il paraît que c'est sympa. C'est sympa, y a... On m'a dit du bien. Ouais ouais, mais le tourisme est assez actif en ce moment. Allez, je récupère la clé. Reset Spelunky. Putain. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec la dalle? Putain, sérieusement. Et Ridley est décédé. Ah, clé au 3-2 et pas réussir à concrétiser, c'est toujours un peu dur. Allez, on y va. Tomber trop haut sur des blocs qui glissent, glitter en instant stun jusqu'à un ressort, être éjecté sur une mine et tomber dans le vide. Mais c'est pour ça que c'est cool, Spelunky. Allez. Ridley est mort. Ouais, t'as un peu de retard, Nico. Ouais. Ok, Winkeiser. Ah non, tu dis pas que tu vas faire ça maintenant. C'est ton plan de learning. J'ai mal compris. Casse-toi, toi. Tu fais perdre 30 points de vie, bordel. Salut Dex Rider, comment ça va? Je suis avec Tifa et Gonzo, on fait une race assez serrée entre Tifa et moi, alors que Gonzo va nous rattraper dès qu'on va mourir. Dès qu'on va aller arriver à la WS. Ouais, c'est ça. 11 minutes sur la WS, Gonzo nous rattrape. J'aurais pas rigolé parce que ça peut arriver. J'ai dit 11 secondes, mais je voulais dire 11 minutes. Ou j'ai dit 11 minutes et c'est ça que je voulais dire. Elle dit 11 minutes, je crois. Ok, on est bon là. Je suis pas fou. Mais non. 11 minutes, on parle de moi. Ouais, c'est vrai que t'es un peu un champion interstellaire de la WS, du coup. Vinicius. C'est pas grave. Je prends le high jump. Je perds un peu de temps. Jump. Ok, j'ai rattrapé 16 secondes. Ah bah j'ai vu. Ah, je me fais
talonné du cul. Ah, j'ai passé deux fois seul. Proprement. Ah, je l'ai fait n'importe comment, j'ai pas du tout réussi à caler mes missiles, ouais. Et on remonte. Ah, Brinstar. La musique de Brinstar. Je vais essayer de pas me rater crête cette fois. À quel endroit? Ah, je suis encore derrière toi, mais je prévois à l'avance de pas me rater. Et péter la porte A avec un missile normal et non un super missile aussi, ça peut être pas mal. Ah, ce genre de raté là. Ah oui, je l'ai vu sur ton stream, je me suis senti bête. C'est pour ça qu'il faut regarder les guides. Pourquoi? Allez, AWS, on est parti. J'arrive à Cred. Yes, premier coup. Ah, c'est passé parfaitement. Ah, GG. GG. Ah, putain, allez, rush. Déjà, je saute dans le lave. Non. Bon, au premier coup. Putain, ça va être horrible en race ce moment, quoi. Ah ça, ouais, la WS. Parce qu'autant, bon, c'est vrai qu'il est un peu dur le truc, mais c'est pas le skip le plus dur de l'histoire du speedrun, autant le rater en race, c'est tellement horrible. C'est ça, c'était obligé de repartir de la salle, de revenir. Oh non. Ah, j'y étais presque. Bon bah là ce sera pas pibi. Et Goldspot, yes. Très des morts. Ah GG. Putain. Ouais, exactement, Clara. Ah, mais c'est pas vrai. Ah, mais ouais, je peux carrément mourir à l'escape, hein, vous inquiétez pas. Je peux encore perdre contre Gonzo. Bah non, parce que c'est moi qui meurs à l'escape. Ah oui, ça... ah oui, toi tu meurs à l'escape. Non, mais moi je meurs à Soutless, pardon. Mais c'est vrai que l'escape sans faire de wall jump, elle devient hyper dure. Hey JF, I'm currently first, so I could say that. But, like, it could go to shit very fast in this game. Non! As I never saved. Mais là, c'était bon! Ouf, c'est passé, c'était chiant. Oh non. Ah, j'avais entamé mon 5C. C'est quoi, c'est une minute par essai? Environ. Je pense. Ah.
La WS te fait plus peur que mes carrés de lame. Mais t'as déjà commencé à jouer au jeu, Kada? Je t'ai pas vu t'entraîner. Mais c'est fort. Allez, let's go. Oh là là, mais c'est vrai. J'en ai marre. Putain. Merde. Ouais, c'est ça, environ 40-50 secondes de temps entre chaque essai. T'as eu le temps de timer du coup. Ah, j'ai regardé du coup. Mais... Je suis rentré dans la salle, il était 45 et bon, je suis tombé deux fois entre temps et je suis arrivé vers 45 ou 40-45 aussi. Oh non, elle était bonne mais j'ai pas réussi à me relever. Ah, ça c'est toujours très chiant. Sixième essai. J'ai plus de points de vie à force. Je crois que j'ai sauvegardé au cas où. Bon, allez, je prends le risque. Allez, j'arrive dans Tourian. T'es à Ridley, Gonzo? Ah, punaise! Je récupère le deuxième super missile et j'y vais. Ok. Ah oui, en plus en utilisant la save sous mes carrés de lait, c'est vrai que c'est mieux. Mais tu perds beaucoup de temps quand tu meurs à mes carrés de lait. Bon, je vais sauvegarder. T'as peur de mourir? Ah oui. Il me reste un carré et 42 points de vie. Ouais. Ah, je suis déjà à 3000 de retard hein, sur mon PB. Ah yes, c'est de la chance. Oh, mais qu'est-ce que je fous? Viens par ici. Ah, bordel la gueule. Je sacrifie ma bonne chance. Inutilement. Oh. 84 points de vie. Mmh. Est-ce que ça va être le décès? Meurs pas. Mmh, il m'est venu directement dessus, le monde, hein. Mais c'est pas vrai. Ah mais j'ai une excuse. Je me suis pas entraîné avant. Ouais, c'est les vraies conditions, hein. Ouais, yes. Je sais. Je viens de battre Ridley. Tu vas pouvoir rattraper du coup. Pourquoi t'as pas passé la WS? Là, je vais entamer mon 9ème essai. D'accord. Donc, on peut en dire que c'est difficile, hein. Il me reste 52 points de vie. Pour ceux qui se demandent, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Mais non! C'est pas aussi difficile que Devil Tifa le fait apparaître, mais c'est quand même pas facile. Un peu quand même. Il me reste 23 points de vie. Et les bip bip. Ah, t'es les bip bip. En plus, plus avoir de vie, c'est chiant parce que ça veut dire que t'as pas trop le droit à l'erreur quand même après, quoi. C'est ça. C'est pour ça que j'ai sauvegardé un peu avant les bip bip. Comme ça, au cas où. Je pourrais faire plusieurs tentatives. Ah. Ah. Yeah, I did stop panicking. Je suis mort. Oh merde. Ah, il y a peut-être beaucoup plus de skips bien plus durs, mais bon, celui-là, il est pas mal aussi. Non, mais il est flippant, mais en vrai, tu regardes un bird skip dans Volgar, c'est bien plus dur, quoi. J'ai jamais regardé de Volgar. C'est vrai? Ah, tu vois, oui. c'est le un des speedruns les plus beaux de l'histoire de l'humanité. Donc. Oh putain.
Il a failli être As de Gatling. Ah, elle était bonne, je me suis pas relevé. Je déteste ça. C'est... En fait, je me lève trop tôt, du coup ça tape sur le plafond. Et... Ouais. Ah, il veut pas se lever parce qu'il est trop proche du plafond. Bah après, il faut mâcher up quand ça arrive dans ces cas-là, c'est pas forcément facile. Ah, j'ai tous mes super. Allez, on va. Ah, si j'arrive pas à aller au dernier bloc aussi, ça aide pas. Oh, mais c'est. Oui, bien. Je les compte même plus. Non, oh, je n'ai jamais un. Ok, c'est bon à savoir. Ah, là, je. Je mise tout sur la mort de Queen. Non, faut arrêter. Surtout, ne sauvegarde pas. Oh, mais sérieux. Ah, oui, c'est mort. Oh, il est passé. 12 essais, ou 13, je sais plus. Je suis à 30 minutes, je le vis bien. Ah. Bon, ben j'ai plus qu'à jouer safe maintenant pour pas mourir. Par contre, je m'en charge de la statue, hein. J'en fous. Bah oui, je peux pas mourir. Pas... Allez, je suis 1 minute 34 devant mon PB. Non! Pardon, c'est juste des wall jumps qui passent mal. Bien plus que 13, au moins 20. Oui, si tu comptes les. Quand je suis tombé en plein milieu, possible. Moi je compte seulement quand j'arrive au bout. Miser sur la mort de Twin, c'est pas une substrate. On est échappé à Volgar, ce game paraît pas si terrible finalement. Mais non, mais je pense que vu le niveau là que vous avez, les gens, on aurait pu mettre à peu près n'importe quoi, vous aurez fait des runs de ouf. Le seul problème de Volgar, c'est qu'en race, il est enfin, vraiment horrible, quoi. Et du coup... S'il te plaît, descends. Alors, un missile. Pas un super missile. Allez. Ah, je me suis pas équipé des super missiles. Ah. Oui, je l'ai eu en 3 missiles. Nice. Bibi. Tu as juste 10 minutes de retard. Et Gonzo va te rattraper. Voilà, je suis à 9 minutes de retard sur Kraid. Bah non, mais Cladal, ça fait deux, même pas une semaine que tu joues à Spelunky, évidemment, que tu fais pas des sub 20. Sinon. Ah, j'étais pas loin tout à l'heure d'un sub 35. Je suis arrivé au temple à 29 minutes. Ah, nice. Et j'ai mongolisé 20 minutes sur le mec. Dommage. Et je me suis raté le. Le Shane Spark. Ah, la sortie, ouais, je l'ai pas fait non plus. J'ai mal compté la vie de Mother. Enfin, je savais qu'elle allait mourir. Je me suis mis au fond, je me suis cru dans le. Dans les ruines. Merde, putain, chaque fois je me vois de côté, c'est chiant. Mais au moins j'ai réussi le second, qui est le plus important. J'ai pas raté la... le point de sauvegarde là quand même. Alors, il y a... Ah oui, j'ai réussi le map skip. Mon setup marche vraiment bien. Ah. Pour l'escape ? Pour le map skip. Ah, le map skip. Tu te mets à un endroit et tu sautes. Oh, j'aurais dû sauver, putain. C'est au début que je fais n'importe quoi. J'ai pas sauvé. Ah. Allez. Je sais pas comment je vais faire. Je fais n'importe quoi. Je suis un peu inquiet. Ah,
fait une save strat. Bon, allez, je vais aller vers la WS. Eh bien, bonne chance. Hein. Merci. J'espère pour toi que tu n'auras pas la même poste que j'espère moi. J'espère, moi aussi. Sinon, ça va être compliqué. Moralement, en tout cas. Ah oui. C'est sûr. Je sais pas à quoi ressemble Soutless quand on prend pas les raccourcis. C'est le premier, on fait un détour de 20-25 secondes, je dirais. Mm-hmm. Grand max. Peut-être même moins, je sais pas. Et le deuxième, par contre, on zappe une zone de dingue où il y a plein de chozos bien énervés. Des chozos? Ah, des pirates de l'espace? Des pirates, pardon. Ouais. Salut Togashi. Ah ouais, voilà, super. Je me chie à la première bombe. Ouais, c'est la moins punitive, allez. Ouais, on peut voir ça comme ça. Ah, mais il faut expliquer la technique secrète. Ouais, bien la sûr, technique je fais exprès de mal jouer avant le décathlon. Pour que tout le monde pense que je suis mauvais. Bon, j'arrive au Metroid. Au Metroid dans oh putain. Je Torian. Suis bien en avance, je suis tranquille. Il faut que j'arrête de mongoliser parce que j'aimerais bien faire un PB quand même par contre. Je vais sauver là. Ok. Ah, est-ce que je sauve? Ouais, je sauve, allez. Je suis un lâche. Au moins j'ai une sauvegarde à Soutless. Yes! First try. Allez, yes! First try du deuxième coup. GG. Et vous voyez ce que je veux dire? Ouais, merci. Ouais, carrément. Ah, super missile, merci. J'ai souvent de la chance, les drops. Putain, mais là, faudrait pas que j'utilise trop de quota. Mais quel idiot. Je balance les missiles avant de le geler. Allez, j'arrive au Winchuzo. Et Winchuzo. Ils aimaient bien les hiéroglyphes, les choses. Il faut le savoir. Hein. Allez, je re-sauve parce que je suis re-un lâche. Je vais devoir jouer Rick et si je vais te rattraper. Hmm? Je vais devoir jouer Risk. Moi, j'ai juste envie de PB. Je peux pas PB. Non, moi, je sais que en fait. Il est mort là donc. Bah en fait, enfin que tu joues risqué ou pas, tu peux pas me rattraper, il faut que je meure quoi. Ouais. Oh. Allez, putain mais... Sinon j'ai même pas besoin de me dépêcher pour... Ah merde, y'a pas besoin d'aller là. Mais non, j'oublie un missile. Ah non. Lâche-moi. Non mais non moi. Je vais mourir, t'es sérieux? Je suis mort. Je suis mort sur les Metroid, j'ai pas sauvegardé avant, après la WS. C'est vrai? Ouais. Oh putain. Désolé pour le manque de son. Du coup, on va gagner. Si j'y arrive pas dans les 2 ou 3 premiers essais, j'abandonne. Bah, c'est un bon entraînement en tout cas. Ah. Mais du coup je suis désolé hein. Je perds beaucoup de temps hein, par contre là. Vinkazor te souhaite un AWS du premier coup du coup. Ben merci, même si c'est déjà trop tard. Ça va, t'as raté? Ouais. De peu. Ça a bien fait le rebond, je me suis bien relevé, mais il a pas voulu s'accrocher. Ah, c'est quand tu... Attends, mais quand c'est que tu recommences la WS? Parce que j'ai pas sauvegardé... Ah merde. Après. Pardon. D'habitude, je sauvegarde au Metroid, parce que ça se passe bien, et... Là, y en a un qui a pas voulu me lâcher. T'as mis deux bombes, et du coup, tu t'es rebombé dans sa gueule, c'est ça? Oui. Ouais, faut vraiment qu'une seule bombe. Je déteste ce pirate, putain, mais casse-toi, je te déteste. Oh la vache, non, je... Ah si je me plante ici, je suis...
23 points de vie, dernier essai si je me rate, je vandale. Dans son classe, c'est jamais très bon. Ah, merci pour les encouragements, Cladal. Mais... Tout le monde est tout cœur avec toi. Les gens scandent ton nom en cœur. Là, je désespère un peu. C'est normal. Parce que même là, je pense qu'en vrai rail, ça... j'aurais peut-être pas le temps de finir. Le temps par défaut. Allez, tout se joue là. Tu penses que tu peux pas faire moins de, d'une heure? Je sais pas. Voilà, je suis à 40 minutes déjà à la WS. Moins de tracé. Bon. Putain, mais. Je vais perdre tellement de temps. Point forfeit. Ah, désolé. Mon premier forfeit de Décathlon. Vous avez des races? Faut que ce soit ici qu'est la race. Ah, j'ai fait un peu de race, bah, j'en ai fait une avec toi sur Metroid, j'en ai fait plusieurs sur... Non, non, mais sur avant le Décathlon, je veux dire. Ah non, pas avant le Décathlon. Du coup, ça y est, tu as salopé SRL de ton premier forfait. Oui. Je vais changer de compte. C'est la bonne attitude. Ah, j'ai eu... Ah oui, non, faut pas que j'update. C'est vrai que j'avais mal splitté en plus. Ah là là. C'est vraiment le meilleur temps. Bon, bah du coup, merci à ceux qui m'ont suivi pour cette superbe run AWS. AWS pour cent. Ah, ça serait mieux la prochaine fois. Ouais, je l'espère. Bah, je m'entraînerai un peu avant. Allez, à toutes pour mon chat. Je vais suivre sur les autres streams. T'es... On remarque que t'as le droit de rester au jeu. Hein. Ah, je ne fais que le stream. Okay. Ah merde. Ah mais merde, je rate le fantôme à l'infini. Voilà. Putain, je perds tellement de temps. Je déteste quand il fait ça, il me tire dessus et en même temps il... Ah, j'ai raté. Voilà, putain, j'ai perdu. Alors. J'oublie. Où est-ce qu'on trouve le multi-twitch? Tu vas sur SRL, tu cliques sur l'onglet race et t'auras directement. T'auras une race Metroid Zero mission en cours et tu peux cliquer dessus et t'auras les deux Twitch. D'accord, je vais mettre dessus. Sinon, tu tapes multitwitch.tv sans doute slash gonzo slash twino et. Ça se génère. Et si t'installes Franker Fazy, le plugin pour Chrome, je sais pas s'il est pour Firefox, t'as directement quand on est en race avec SRL un lien multi-twitch avec le classement. Et les principes. Ah, c'est bien ça. C'est plutôt bien Franker Fazy. Je suis assez réfractaire au plugin pour être honnête, mais celui-là, je le trouve vraiment bien. On met du vert partout. Du vert, du gold. Et non. Des gold. Bon, là j'ai perdu 45 secondes par contre, c'était pas top. C'est pour ça que je vous ai pas proposé de reset, c'est évidemment. Si on s'était tous les trois plantés, on aurait peut-être recommencé depuis le début. Mais là. Ouais, au bout de 40 minutes, devoir refaire la WS une deuxième fois, je me sens pas trop. C'est vrai, ça t'a dégoûté. Ah, c'est vrai. Comme mon chat a dit, il a raison, je suis salé. Déjà le passé le premier coup du 12e essai. Ouais, c'est sûr. Faut juste que je me rentraîne dessus pour essayer de m'améliorer. Ouais, c'est un truc dur à travailler, hein. Le fait d'être régulier, c'est pas facile. Ouais, c'est pas évident. Mais même Brotherman disait que même ceux qui ont des world records. Mmh. Ils envisagent mal cet AWS. C'est vrai, mais je le trouve pas si dur. Alors, je dois vraiment avoir. Je sais pas, en fait, mon émulateur il est bugué, c'est tout facile chez moi, tout comme ça. C'est ce que je l'avais entendu dire sur le tuto. Que je trichais. Non.
Bah ouais, mais enfin tu enfin mais c'est vrai que c'est un très bizarre hein. Je jamais le contraire, enfin si j'ai dit le contraire. Mais c'est vrai que c'était un peu exagéré. Mais c'est pas le trick le plus dur quoi. Je comprends pas que les gens. Ah oui, c'est peut-être pas le plus dur, mais c'est vraiment le plus punitif de leur aide. Allez, ça c'est bien. Mais putain! Je l'ai jamais vu faire ça. Arrgh. Oh, j'ai du bol. Ah, je déteste cette salle là. Ah, mais il y en a deux, c'est bon. Ah oui, il a pas voulu tirer comme il fallait. Il a tiré dessus, du coup, évidemment, il me touchait, mais il touchait pas le truc qu'il fallait qu'il touche. C'était pénible. Dans les World Records, j'ai pas regardé les vidéos, ils farment aussi à ce moment-là ou bah, ils servent juste bien leurs munitions. Ils ont des missiles, ils ont plus de super, du coup ils ont un peu moins besoin de farmer, mais ils farment. Ah quand oui, même. C'est vrai. Mais dans le record du monde, il va très très peu farmer parce qu'il a eu une RNG de ouf, et c'est pour ça que c'est le record du monde, tu vois. Donc c'est toujours compliqué ce genre de questions. Mais... cette salle qui passe bien, ça fait toujours très plaisir. Ah, c'était là que j'étais mort la dernière fois. Putain, j'étais cette salle aussi. Ok, on attend. Bah oui, avec les lasers. C'est chiant quand il y a plus d'alarme ici. Un peu de mal à remonter. Carrément. Bon bah. Venez super, s'il te plaît. Yes. Encore un. Yes. C'est bien. J'ai eu le petit saut. Merde, tant pis. Allez. S'il vous plaît, merci. Oh merde. Oh non.